faites le plan de texto avec les nouveaux packs SMS de MTN à partir de 500 francs et tchatchez à fond. Tapez étoile 100, étoile 2, jazz. Appel illimité vers MTN plus 300 mégabits d'Internet de 23. La dernière partie de cette émission Palais Islam, chers frères et sœurs en Islam, c'est le concours. Vous avez écouté des belles voix et maintenant le jury va délibérer tout de suite. Mais en attendant, on va toujours, puisque la priorité, ce sont les auditeurs et téléspectateurs sur le 620 28 69 69. Nous allons donc continuer à lire vos SMS, ceux pour qui vous avez voté. Et ensuite, le jury va délibérer. Celui-ci nous dit bonsoir à Mohamed Ali, c'est Alpha depuis Kipé. Les deux candidats sont bons. Je vote pour le candidat numéro 2. Merci pour les organisateurs de la plus belle voix. On continue donc. Bonsoir, c'est Fumba. Je suis pour les deux à Abidjan. Enfin, on ne peut pas être pour les deux, mais c'est votre choix. C'est un bulletin. Assalamu alaikum, c'est Barry. Boubacar, depuis le Libéria, je vous encourage. Merci beaucoup. Il faut savoir voter aussi. Hein. On ne vote pas pour les deux candidats en même temps, les gars. Hein? Par femme, je connais, ce n'est pas facile à voter. Oui, c'est vrai, mais en même temps. Salut, moi c'est Salih Bilalzo depuis Angola. Je vote pour le candidat numéro 1. On continue salut, c'est Mariam Barry Gabi. Je vote pour le candidat numéro 2. On continue, bonsoir, c'est Mamadou depuis. Je vote pour le candidat numéro 1. On continue donc avec les votes sur WhatsApp. Eh bien voilà, je dis qu'il y en a qui ont commencé à voter avant même l'émission. Islam, je me nomme Boubacar Sissoko, je vote pour le candidat numéro 2 depuis Bamako. D'accord, Bamako, Inch'Allah. C'est Daouda Souma depuis Kindia, je vote pour le candidat numéro 2. Alors on continue avec les SMS. Bonsoir, moi c'est Mori Kondé depuis l'aéroport. Je vote pour le candidat numéro 1. On va aller donc sur le numéro, le 620 28 69 69. Bonsoir, moi c'est Mariam Siré Souma depuis Kassonia. Je vote pour le candidat numéro 1. Et un dernier message avant d'aller en direct au téléphone. Merci à vous, je vote pour le candidat numéro 2, on va effectuer un autre appel. Et là aussi, c'est une surprise. C'est nous qui appelons des personnes, justement pour les remercier et justement pour ce qu'ils ont fait. On a Elage Diallo en direct. Elage, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Elage, Diallo, vous êtes le PDG de la marque Synix en Guinée. Bien sûr. Et évidemment, vous vendez d'électroménager et tout, tout, tout. Hein, vous avez une réputation, hein, sacrée oui. Réputation, Elage. Oui. On a une marque électroménagère qui a une garantie de 10 ans. Oui. Et convoitée par la majorité des Guinéens. Ok, oui, évidemment. Il y a beaucoup de salons, il y a vos marques. Alors, et là, on est sur une émission Parler Islam où on a un concours pour trouver la plus belle voix. On a pensé que ça peut vous intéresser. Oui. Bien sûr, ça va m'intéresser, c'est l'islam. Évidemment. Et Synix aussi va participer. D'accord. Pour les gagnants. Et Synix va participer des marmites. D'accord. Des mixeurs avec des cafetières. Non. Pour les gagnants. Mashallah. Merci beaucoup. Vous aurez 10 articles. 10 articles. Des marmites électriques. Hein? Des marmites. Il y en a même attaqué un moment de fait. C'est Kourano de Kemboala. Donc des marmites, des mixeurs et des. Ainsi de suite, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Elage. Une cafetière. Et généralement, enfin, vous avez écouté l'émission peut-être depuis le début. Est-ce que vous votez pour l'un des deux candidats? Bon, je vote le premier. Le premier candidat, Elage. Hein? L'influence. Amin Girazi vote pour le deux et Elage vote pour le premier. Le duel est lancé. Merci beaucoup, Elage Diallo, PDG de la marque Synix. Merci d'avoir proposé tout ceci. Et là, puisse Dieu vous en récompenser. Amen.
Merci beaucoup. Donc on continue donc c'est une très bonne chose hein, ah, si oui. On a des marmites sans charbon de bois, ça serait bien des mixeurs électriques et tout ça, c'est bien. Mashallah. Récompenser tous ceux qui font des très bonnes choses. On continue donc avec les SMS. Bonsoir, moi c'est Barry Suleiman Wanindara, je vote pour le candidat numéro 1. On continue bonsoir, c'est Barry Simanteri, je vote pour le candidat numéro 2. Oui, on vote pour le candidat numéro combien? Numéro 2, ok. On continue. Bonsoir, c'est Tunkara Aboubakar depuis Gomboya, je vote pour le candidat numéro 1. Je vote pour le candidat numéro 1, oui. Bonsoir, Alpha Bakar depuis Kobaya, merci pour cette belle initiative en ce mois saint de Ramadan. D'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Mamadou Harouna Ba, je vote pour le candidat numéro 2. Parmi les derniers SMS, assalamu alaikum, c'est Kike Baldé depuis Amdalaï, je vote pour le candidat numéro 2. D'accord, on continue. Je vote pour le candidat numéro 1, il n'a pas de nom. On continue, peut-être ce sont les derniers messages que nous sommes en train de lire. Assalamu alaikum, c'est Sekou Ozil Kanté depuis kilomètre 36. Je vote pour le candidat numéro 1. Bonsoir, Soudaï Diallo Kabele, moi je vote pour le candidat numéro 1. Bonsoir, Mohamed Ali, c'est Ibrahim depuis Tombolia. Je vote pour le candidat numéro 2. Et voilà, bonsoir, je vous suis depuis Bokeh, c'est Adraman TAB. Je vote pour le candidat numéro 2. On a un dernier appel. Celui-ci aussi, on le sait, il est en ligne, c'est M. Soare. Assalamu alaikum, M. Soare. Alaikum salam. Alors, M. Soare, vous êtes le fondateur de l'université Nongo Conakry, UNC. Oui. Merci d'accepter notre appel, notre invitation. Enfin, on vous appelle justement parce que nous sommes dans l'émission Parler Islam, dans la recherche de la plus belle voix. On a pensé que ça pourrait vous intéresser. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, si vous nous avez suivis, on commence d'abord par le vote. Est-ce que vous votez pour l'un des candidats? Est-ce que vous avez choisi pour celui pour qui vous votez? On en a deux. Bon, candidat numéro 2. Candidat numéro 2. Vous votez pour le candidat numéro 2. Ça continue donc. Nous vous remercions donc pour aller un peu plus vite. Vous avez à dire quoi Enfin, M. Soare. Bon, je voulais vous remercier pour cette belle interview en ce mois saint. Non. D'avoir initié vraiment la récitation coranique. Non. De manière à encourager vraiment tous les jeunes, surtout musulmans. Non. Vraiment à la lecture coranique. Non. Et un challenge. Ça va inciter d'autres aussi à faire mieux. Oui. Et aussi à compétir. Évidemment. Donc, je pense que c'est un très bon objectif. Non. Que vraiment, on vous remercie et que Dieu bénisse vraiment votre émission. Non. Non. Merci beaucoup. Donc, merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Soare. C'était un plaisir de vous avoir appelé dans cette émission. À bientôt. Bon, je voudrais aussi quand même offrir 2 millions vraiment aux candidats. 2 millions. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, c'est très très généreux de votre part. Monsieur le fondateur de l'université UNC, 2 millions pour celui qui va gagner à la fin. On est vraiment obligé de vous donner, puisse Dieu vous en récompenser et vous en retourner en quintuple. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, c'est ici qu'on va limiter les appels parce qu'on est vraiment pris par le temps. En très peu de minutes, peut-être même dire directement le résultat puisque j'ai mal géré le temps. Et maintenant là, on est pris par le temps. Oustaz, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Nous voici à la fin de cette émission de ce jour. Ici, sans plus tarder. Nos deux lecteurs ont été vraiment remarquables avec de très belles voix et aussi avec des parfaites lectures, surtout couronnées d'une application de règles de tajwid à un très très haut niveau. Très haut niveau. Oui. Et ici, quant à notre notation ici, quant à Mahdi, il a décroché les 140 points sur 140. C'est-à-dire que nous avons noté 20 points sur chaque question. 140 sur 140. Oui, c'est-à-dire 100%. On ne peut pas faire mieux. Hein. Oui. Et Alassane a été pris à deux reprises. Une fois par un tâtonnement. D'accord. Et une fois par une mauvaise reprise. Et c'est là
C'est de là que Mahdi l'a dévancé. Mais c'est avec un point, parce que chaque prise, c'est-à-dire chaque niveau, il a pris seulement un demi-point. Non. Il a eu 139 sur les 140, c'est-à-dire 99,28. D'accord. Vraiment, c'est remarquable, c'est fantastique. C'est admirable. Non. Oui, c'est encourageant aussi. D'accord. Et ici, c'est les auditeurs. Ici, d'abord, c'est-à-dire, ils étaient déjà départagés. D'accord. 100% contre 99,28%. Voilà. Mahdi avait déjà gagné, mais les auditeurs en ont rajouté. Voilà, les auditeurs, et maintenant, leur vote a rajouté. Quant aux auditeurs, ils ont voté 76, c'est-à-dire ce qui est pris en compte. Non. 76. 50 ont voté pour Mahdi. Non. 26 ont voté. Voter. 26 ont voté pour Al-Hassan. Inch'Allah. Voilà. Les résultats sont connus. Oui, donc là, on finit Mahdi. Oui, Mahdi est le premier de la semaine. De la semaine. Oui. Avec combien de points? Avec 82,89%. Et 82,85%. Je suis obligé 80. De rompre à ce niveau. On n'est vraiment pas dans le timing. Alors Mahdi gagne et se qualifie donc pour la finale à la fin du mois de Ramadan. Inch'Allah. La semaine prochaine, donc, on va avoir une autre équipe pour trouver une autre voie. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc lundi à la technique était avec moi, Mohamed Camara. Et à la télé, évidemment, il y a toujours celui qui gère cette émission, MB Bangoura, Lamine Sidibé, Nala Sidibé, Fauté Souma, Aboubakar Fauté Souma, Cathy, Alassane Cathy, bien évidemment, et Amadou Sow, qui est à la fois à la télé et à la radio. En fait, c'est l'un des gros gars de cette émission. Nous, ça a été un plaisir. Nous remercions Dieu de nous avoir donné encore cette chance. Parler Islam, on se retrouve dès lundi dans un nouveau numéro. Au revoir. Avec MTN Zone, appelez jusqu'à 1,2 francs par seconde vers MTN d'une heure à 6 heures du matin. Regardez vos films et séries préférées à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre passe avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. Pour offrir ou demander un pass internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100 étoile 6 dièse.